Et salut à tous, on se retrouve sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour le Père du Milieu 2. C'est donc un nouvel épisode de gameplay Escarmouche, tout simplement. Pour commencer, j'ai regardé quelques astuces sur internet, notamment pour faire un héros complètement cheaté. Enfin, je pense que voyant ses pouvoirs, c'est assez clair, hein. Je pense que bon, il y a forcément mieux, j'ai pas non plus cherché pendant 10 000 ans. Donc je peux vous donner quelques. Je vais vous montrer comment faire. Quelques-uns se demandent. Donc on va se créer ouais. Ça, on lui met aucun pouvoir. On va faire un nouveau, on va lui mettre des pouvoirs dans l'avatar. On va le faire ça. En fait, pour qu'il soit à la suite dans les. Quand on met en nom, voilà, ils sont juste à la suite. Donc le jeu est un petit peu long sur certains trucs, c'est normal. Donc vous sélectionnez les pouvoirs. Sélectionner le personnage que vous voulez, il faut que votre personnage soit juste en dessous. Hop, on sélectionne bien. Vous voyez, avec les flèches, là je clique pas, juste avec les flèches on peut changer. Donc on sélectionne, on crée la flèche du bas, hop, j'ai pas été assez rapide. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai bien Talion, c'est mon héros du Gondor, mais qu'il a ici les pouvoirs des sorciers. Donc, hop. Il va me manquer un pouvoir. Je vais mettre mode mort à la fin. Avec mode mort, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Après, je vous l'ai mis en bataille, bien sûr. Donc, en quatrième pouvoir, je prends carré. Non, on va prendre ça, hop, du coup, hop, et donc là, lui, on a notre avatar, il n'a aucun pouvoir, on pas pour l'avatar, mais ça compte pour le capitaine du Gondor. On va aller tester ça tout de suite. Oh. Alors pour le tester, je vais prendre mon voilà, comme ça. Il me sert justement à les tester. On va faire des parties un peu comme ça. Le gouffre de M. Le pistolet 3. En brutal, bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. On va le mettre là. Mon 95% comme ça, je vous montrerai vite après en fin de partie. Je prends justement ce gouffre de M. Vous allez pouvoir visualiser un petit peu la map. Donc là, on va juste créer deux héros et on va aller défoncer les ennemis. Un plus simple. Et forcément, je ne l'ai pas sélectionné. Je suis très très fort. Ah là là là. Très bien. Allez, c'est parti. Hop, hop, directement.
J'ai des matériaux de construction. Des matériaux de construction. Je suis un serviteur du feu secret. Ça me casse un peu les oreilles. Un endroit idéal. Ça met à peu près, je pense, 30 secondes. Je sais pas si c'est très compliqué. Nous avons fini cette structure. J'ai des matériaux de construction. On y travaille. Autant de booster les stats, mais je guiderai cette armée. Hop, donc là vous voyez bien qu'il y a bien tous les... Ils vont y aller. Pressez-vous. Des pouvoirs. Bon, après niveau skin, il est pas très très beau, hein. Clairement. Enfin, c'est pas... Ce bâtiment est achevé. Nous devons nous dresser. Ouais, c'est pas plus beau. Je suis prêt. C'est bon, t'as construit. Il est temps de bâtir. L'honneur nous appelle. En avant. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais une partie comme ça où je teste un héros, je le mets toujours ici. En aléatoire. Et c'est toujours les nains. Je ne comprends pas. Rien ne peut nous résister. C'est bizarre parce que ça fait au moins 3 ou 4 parties que je fais comme ça. Tester un héros. Voir si les. Ce sont nos héros. Ils sont des fois. Pour mon archer d'ailleurs, j'ai pris plusieurs. Immédiatement. Démolissez-moi ça. Plusieurs héros. Plusieurs héros, bien sûr. Donc il faut bien qu'ils soient bien dans l'ordre. Justement, pour contrôler ça. D'accord. Bon, vous voyez. Ils s'attaquent. Ce bâtiment est acheté. Oh, un coup de feu. On va faire ça. Voilà. En avant! La mort les attend! Boum, boum de feu. Vous connaîtrez mon courroux! Ok, bon jeu. Rien de mal sur nous! C'est vraiment nul. En avant! En avant! Nous devons y aller! Ravons ça! Jusqu'à vous faire pour pousser les en même temps. En route! Au lance! C'était pas plus court de passer par là. Nettoyez ces terres! Le combat a commencé! Mais pourquoi tu vas là? Oh voilà. Nous devons y aller! Ça là-dessus. Il y a plein de bâtiments là. On pourra en brutal quand même. Bon. Le temps est compté. Ah, peut-être nous devons défendre notre pays. Donc il est mode mort. J'ai des matériaux de construction. On va le faire aller au niveau 10. Des matériaux de construction arrivent. Le travail nous attend. Développons ces terres. Tina qui court derrière. Nous serons victorieux. Bon, vous voyez, ça marche très bien. Là. Juste, on n'a pas forcément les animations. Ils vont avec les pouvoirs. On ne sait pas prévu pour. L'honneur nous appelle. C'est sûr que. Ensemble. Nous avons fini les matériaux de construction. Dernier. Un endroit idéal. Ce sont nos terres. Ce bâtiment est achevé. Il y a 4000. Il n'avait rien fait, les unités. On est très rapide aussi, je pense qu'en normal, c'est que là. En normal. En étant jeu notre aussi, belle ville s'agrandit. Pas unité, mais... C'est un brutal. On est très unité. Ça c'est bien ça. C'est...
caserne. Ah, ça, j'ai commencé à construire. Démolissez-moi ça. Rien ne peut nous résister. Pas faux, surtout en bas. Avec une pièce de moins 85% pour le moment. Préparez vos outils. J'ai des matériaux de construction. Pour les ennemis, voilà. Pas pour les moments, ça fonctionne. Démolissez-la. Je vous guiderai. Encore une ou deux minutes. En avant. Il est vraiment moche comme ça. Bizarre, le bas est tout blanc, enfin le bas du haut. Le haut est vraiment beaucoup plus clair, c'est bizarre. Ah voilà, ça fait l'unité. Nous serons victorieux. Très fast. Il devrait être au moins niveau 10. Les bâtiments, tout ça. Rasons ça! Est-ce que cette ligne pour commencer? Je vous guiderai! D'abord, les attends! L'ennemi est proche! Éliminez ces créatures! Nous devons nous regrouper! Attends-nous! On va tous les rassembler. Je pense que la prochaine carte. L'honneur nous appelle. Dégagez-vous! Nettoyez ces terres! En deux parties. Retirez-vous! Comme la défense de Gouffrel, c'est assez long. On a gagné. Rien ne peut nous résister! Joue, mais... Voilà, c'est clair. Ce sera en deux parties. Je pense qu'il y aura une petite première partie. Donc les escarmouches vont. Voilà, hop. On va faire une défense du gouffre de haine. On va commencer en 3 normal. On peut peut-être mettre en difficile. Ouais, on va mettre en difficile. On va mettre 2 normales en difficile. En aléatoire. Donc je pourrais mettre en. On va les mettre en mise en garde. Un peu plus de réalisme. Et elf. Ou pas en garde de Rindon, donc c'est mon archer. On leur met 2500 comme nous, chercher. Aucun handicap, d'accord, bon pas être parti. On est plus que ça. Donc c'est une coupure en plein milieu de l'épisode, c'est un peu normal, je verrai au niveau du temps après. Hop, allez c'est parti. Nous avons du travail. Il faut construire un lieu. Bien sûr on peut pas le faire. Ça ne sert pas à grand chose. J'aurais dû prendre les ailes, je suis bête. Je suis bête. J'aurais dû prendre les ailes. Parlons de héros. Parce qu'il n'y a qu'un héros. Qu'un héros. Il peut tirer à distance. En plus de lui. Donc, bon, écoutez, je redémarrerai. Je trouve quand la partie sera redémarrée, je vais prendre les ailes. Le travail nous attend. On se retrouve donc. On y travaille. Les matériaux de construction.
Impossible. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 héros. Entre 2 pour les autres. Enfin, qui tire à l'autre sens. Et on a 5. Pour aider à découvrir les héros. Alors... Ce bâtiment est achevé. Par là. Allez. D'accord, il fait ça. Ok. J'ai des matériaux de construction. Un endroit à est terminé. Où devons-nous construire? Développons ces terres. Allez, ah oui, on va prendre la troisième zongarde. Je vais vous dire, oh, j'ai une phrase aléatoire. On peut faire la version. On va prendre la zongarde. Donc, on sait ce qui nous attend. Je pense que c'est vite difficile, hein. C'est de normaux. Ça devrait aller, franchement. Nous avons agrandi la caserne. Écoute, 700 quand même. Le travail nous attend. Cette structure. Des matériaux de construction. Les matériaux de construction arrivent. Ce bâtiment est achevé. Je vais te faire des unités, monsieur le bonjour. Ah oui, mais... C'est méchant. Le travail nous attend. Un endroit idéal. Mais je crois qu'ils attaquent plus. Nous venons de la forêt noire. Mais ils ont plus nul, parce que je sais. Et j'ai rajouté une map qui est Warzone. Nous avons une nouvelle structure. Les gardes anciens, c'est belle ville s'agrandit. Les matériaux de construction. Ils attaquent plus. Il est temps de bâtir. Le travail nous attend. On y travaille. C'est bizarre, il m'attaque au bout d'un marché moment. De la forêt noire. Il y a mes... C'est pas que ça. Normalement, il y a nous venons de la forêt noire. Soyez prudents, ami elfe. Avancez. Ce bâtiment est achevé. Où devons-nous construire? Notre belle ville s'agrandit. Développons ces terres. Des matériaux de construction. Un endroit idéal. Ouais. À vos arcs! Je pense que la prochaine fois, on fera une attaque de forteresse. C'est 2000, 3000, 400, 2000. Il nous fait 4000. Nous avons fini cette structure. D'accord. Préparez vos outils. Pardon. Nous avons bâti une nouvelle caserne. Les matériaux de construction arrivent. Nous avons agrandi la caserne. Il est temps de bâtir. On améliore le niveau 2. Soyez prêts. J'ai pas l'impression que c'est dégâts. Ok, il est mort. Restez groupés. On est une grosse force de... Par ici, archer. Nous portons les effets. Inspectez de la zone. La caserne est terminée. Nous avons amélioré la forge. J'ai des matériaux de construction. Un endroit idéal. Du coup, des unités. Chez les ailes, je ne sais pas ce que ça fait. Nous avons préparé les verts pâturages. Soyez prudents, Daniel. Ils n'ont pas fait le gars là qui était là. Ils l'ont fait. Les portes étendards sont là.
En ligne. Attention à l'ennemi. Préparez vos outils. Nous avons agrandi les perfatoires. Ouvrez l'œil, sentinelle. Belleville s'agrandit. Nous portons les effets de la Loria. Où devons-nous construire? Ah oui, il faut que je compte aussi combien de temps de commandement ça nous fait les héros. 90, 170. Nous portons les lances de Miquelon. 230. En ligne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, j'ai tout. On va d'abord aller attaquer le blanc. On peut sortir. Nous portons les effets de la Loria. Voilà. Archers de la Loria prêts au combat. Les arcs de la Loria sont à vos ordres. Restez sur vos gardes. En ligne. Lancer une flèche d'argent. Nous avons amélioré la forge. Archers de la Loria prêts au combat. Nous devons défendre nos foyers. Préparez vos outils. Où devons-nous construire? Apportez ça ici. On a dit combien de 130? Aux arbres! Ces arbres nous cacheront. Nous devons rester vigilants. Les flèches d'argent changeront de position. Cherchez. On va faire les héros. Nous devons protéger la terre du milieu. Non. On va faire les héros. Restez groupés. On va faire Galadrindon. Archers de la forêt noire. Attention à l'ennemi. À vos arcs. Préparez-vous. Nous avons des lames pour défendre nos foyers. Gardez vos sens en éveil. Dans la forêt. Dans la forêt. Elf de Miquelon. Ça coûte 400, ouais. Déjà 300, c'est pas de mieux. Oh. Nous devons rester vigilants. Nous devons protéger la terre du milieu. La nouvelle armure est prête. Ouais, on attend 2000 là pour les héros. Ils vont commencer à faire des améliorations. Il rush les flèches de feu. Soyez prudents, Amélien. Elf de Miquelon. Ah, ils vont chercher Gollum, je crois. Protéger vos armes. À vos arcs! Attention à l'ennemi. Oh, ouvrez l'œil, sentinelle. 800 pour améliorer les coups. Qui est-ce qui vient de faire le signal? Dépêchez-vous, fainéant! Restez sur mon arc, trouvera sa cible. En route! Mon héros peut se terminer.
Ouais, je tous reconnaîtront mon habileté. J'ai juste changé ses pouvoirs, j'ai pas regardé ses stats. En ligne, archer. Ouais, je regarde. Archer de la forêt noire. Je crois qu'il n'y a pas très mal du tout. Monde, je crois. Nous ne céderons pas. Nous devons protéger ces voies. Attention à l'ennemi. C'est une raison que... Après, il y a le choix. Ça coûte un bras. Ouais. Préparez-vous. Notre heure est venue. Elf, préparez-vous. Attention à l'ennemi. Les flèches les transperceront. Donne-moi ça. Elf, demi-plan. Gardez vos sens en éveil. Notre heure est venue. Courage, compagnon. Par ici. L'ennemi est en vue. Droite au cœur. Préparez vos armes. Gardez vos sens en éveil. Je les repousserai de ces terres. Vite. Nous devons défendre nos foyers. Les flèches les transperceront. Attention à l'ennemi. Tenez vos positions! À vos arcs! Déstabilisez-les! Nous devons protéger l'ennemi est proche! Faites-le s'écrouler! Préparez-vous! Nous devons protéger ces flèches! Préparez-vous! Lâchez vos flèches! Soyez prudents, Amiel! Nous devons protéger ces voies! Ils n'ont rien à faire ici! Préparez-vous à vos arcs! Soyez prêts, cette structure doit être détruite. Oh, nous devons nous presser. Gardez vos sens en éveil. Nous devons rester vigilants. Détruisez leur bâtiment. Oh. Je ne manquerai pas mes cibles. Éliminez. Concentrez vos tirs, Amiel. L'ennemi approche. Yes. Au moins deux cavaliers. Lance-le. Préparez vos armes. Oh. Vos armes. Nous devons protéger la terre du milieu. Nous devons défendre nos foyers. Venons de Foncon.
il est plus tranquille. Mais... Donc, ok. Je ne manquerai pas mes cibles. Nous venons de Foncon. Par ici, lancier. Par ici, elle. En avant. Ah, c'est vraiment au niveau des ressources. Un peu la dèche. Je vous guiderai, foi de roi conduit. Elfe de la forêt noire. Je vous guiderai. Je les repousserai de ces terres. En avant! Aldir, bon. Aldir n'est pas indispensable. Notre heure est venue. Bon, on va aller attaquer lui après. On va finir par le difficile. On va regarder ce qu'il a. Ok. On va un truc à voir d'ici. Préparez-vous. Voilà. J'ai mis les golas, hein. Tous reconnaîtront mon habileté. Peut-être les attaquer maintenant. Allez. Je ne manquerai pas mes cibles. Par ici. En route. Vite. Au plus vite. En route. Tuez-les. Portons les épées de la Lorien. Portons les épées de la Lorien. Notre heure est venue. Nous venons de Foncon. Je suis Legolas, du royaume Sylvestre. Repoussez-les. Les flèches les transperceront. Le combat a commencé. Droit au cœur. Doit être détruite.
Entier. Repos. Gardez vos sens en éveil. Aux armes. L'ennemi rôde passer leur dessus. Repos. Je les repousserai de ces airs. Prenez toutes les précautions. Elle, préparez-vous. Protégez les chevaux. Voilà. Lancier, à cheval. L'ennemi est désormais puissant. Prenez garde. Je vous montre le Bon, on va attendre que ça se reforme. Et tout le monde qui arrive. Ouais, on a des cavaliers. Je suis plus sûr. L'ennemi approche. Écoutez-moi. Nous portons les épées de la Lorient. D'entretenir plus les épées de la Lorient. Suivez-moi, Miel. Rassemblez-vous, lanciers. Conduisez-les par ici. En avant. Restons sur le gars. Préparez-vous. Nous devons protéger ces voies. Elf de Nitlon. Nous devons défendre ces terres. Repos. Bon. C'est parti pour la saut finale. Vous êtes un peu lent, les mecs. Allez. Restons sur nos gardes. C'est pas si vous avez une crème. Prenez garde. Les arbres, quel soulagement. Oh, des arbres. Oh, bah voilà, ça s'est fait. Enfin. Bon, bah on va se quitter là. Hein. On va juste regarder les stats. Ouais. Ouais, c'est plutôt score.
Ouais, j'étais plus que plus haut. Et 288, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. J'étais quand même bien, hein. 2300 l'unité, c'est beaucoup. Bon, on va s'arrêter là. Exprimez votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou commentaire. Je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et salut!